allez bien, j'espère que vous êtes prêts pour cette nouvelle saison, session en circuit training. Un petit peu, on va faire un peu plus cardio aujourd'hui. On va pousser un peu plus au niveau du cardio. On va laisser un peu de côté un peu la musculation, on l'a bien travaillé la semaine passée. Aujourd'hui, on voit une nouvelle façon de travailler. Donc, il vous faut juste avec vous un tapis, une corde à sauter. D'accord, on n'a rien besoin d'autre aujourd'hui, juste un tapis, une corde à sauter. On travaille tout le reste avec le poids du corps. D'accord? Donc, on va commencer par un surplomb tranquille, on va juste faire du gainage. D'accord? On va juste travailler un peu le gainage, un petit peu dynamique pour venir se réveiller gentiment les muscles. Ensuite, on va travailler sur deux tabata. D'accord? Parce qu'on aura une pause. Ensuite, de nouveau deux tabata. Une pause. Et ensuite, on prend un circuit training pour la globalité. D'accord? Donc, pour commencer, vous prenez, comme je dis, juste un tapis et un linge. D'accord? Tout simple. On va faire sur du gainage basique. Donc, on va faire du gainage, appui sur les coudes, appui sur les pointes de pied, dos bien droit. On va travailler pendant 40 secondes, 20 secondes de pause, la première. On ne cherche pas à travailler les dynamiques, rien du tout, juste à travailler une bonne posture et à se réveiller gentiment. Donc, je vous laisse prendre place, je vais mettre le chronomètre. On va aller pour 40 secondes, on y va dans 3, 2, 1, c'est parti, 40 secondes. Et comme je finis, hein, toujours épaules droites au niveau des coudes, d'accord. On va faire ce en avant pour l'instant, on reste bien droit, bien stable, d'accord. On est solide. On ne bouge pas, on ne peut pas se faire déplacer. On va tenir 40 secondes tranquillement, on aura 20 secondes de pause. Et ensuite, on va enchaîner ça 4 fois. Je vous expliquerai quand on va mettre un petit peu le dynamisme en place. Pour l'instant, on reste sur du statique. Allez, on reste 15 secondes. C'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. 10 secondes, 10 secondes, on se fera relâcher 20 secondes. Bien, c'est bien. Ok, on va là dans 3, 2, 1, on pose. On a 20 secondes de pause et on enchaîne pour le deuxième. Le deuxième, on va commencer à venir un peu plus dynamique, donc on va venir bouger que les bras. Donc on va rester en position de gainage statique, d'accord. On va juste faire un petit mouvement de bras. D'accord. Dans 5 secondes, on y va. On est prêt. 3, 2, 1, on y va. Donc vous avez bien droit au niveau du bassin, on descend un peu. Et là, maintenant, on va venir bouger un petit peu les bras. Et ce qui est important quand vous allez venir bouger les bras, d'accord, c'est que le bassin ici bouge un minimum. C'est pas je bouge le bras droit et je viens m'incliner. D'accord, je suis solide, boum, je bouge uniquement mes bras. D'accord, c'est bien, c'est bien. Allez, on enchaîne. On a la moitié. Excellent. Allez, c'est vraiment assez stable au niveau du bassin. Vous n'allez pas faire de rotation. Il reste 10 secondes à tenir. On va tranquille, on va tranquille, on bosse, on bosse. Ok, il nous reste 2, 1, 20 secondes de pause. Excellent. Allez, on travaille gentiment, on passe au niveau 3, d'accord. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une position gainage normal, classique. Et au lieu de bouger les bras, on va bouger les jambes. D'accord. Donc vous aurez vraiment un mouvement de jambes, comme ça. Ok. Et même principe, quand vous allez bouger vos jambes, vous n'allez pas venir faire les rotations du bassin. On se met en place, on y va dans 3, 2, 1. On est parti, 40 secondes. Pas besoin de venir chercher trop avec les jambes, d'accord. 10, 15, 20 cm, ça suffit largement. Mais ce qui est important, c'est quand la jambe bouge, vraiment, au niveau du bassin ici, on est solide, on ne bouge pas. D'accord, on va travailler un petit peu, on va réveiller tout le corps. Pour ceux qui ont fait la grasse mat ce matin, et pour les autres, ben, on se met en jambes. Allez, 20 secondes. Bien, c'est bien, c'est bien. Excellent. Il y a bien stable, il n'y a pas à lever les fesses non plus, d'accord. Il reste 10 secondes à tenir. Et vous relâchez dans 5, 4, 3, 2, 1, 20 secondes de pause. Maintenant, on va enclencher le dernier. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un combo. Vous allez faire main droite, main gauche, jambe droite, jambe gauche. Main droite, main gauche, jambe droite, jambe gauche. 10 secondes de pause. Allez, Virginie. Prépare, 5 secondes. On est prêt? 3, 2, 1, go. Main droite, main gauche, jambe droite, jambe gauche. Et on enchaîne. D'accord? Même principe, on est solide, donc on ne peut jamais se faire pousser, d'accord? Et le fait pas trop haut. Hein. Donc bien droit, une belle planche, et on enchaîne le combo. Allez, on commence à se réveiller gentiment. Et on est à la moitié du temps. Excellent. Bien, bien. Allez, allez, on enchaîne encore 15 secondes. Bien, c'est bien. 10 secondes. Allez, on tient ça, on tient ça, on tient ça. Yes, 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 yes.
tout petit peu d'échauffement avant de passer au premier Tabata. Donc ce qu'on va faire là, c'est qu'on va juste travailler un peu les squats, d'accord? Donc tranquille, on va faire des squats basiques. Même chose, on va faire 30 secondes de squat, mais 10 secondes de pause, c'est juste pour se commencer à monter un peu la pression. Et après, on partira sur le Tabata. D'accord? Donc, position de squat, on y va dans 3, 2, 1, c'est parti, 30 secondes. Là, on peut monter un peu plus. Si vous êtes déjà chaud, n'hésitez pas à faire des petits sauts, d'accord? Et on va travailler un petit peu le cardio. Alors, on pousse un petit peu, on fait 30 secondes, on fait 3 fois. Après, je pense à terminer et on passera aux choses sérieuses. Allez, on a la moitié. Bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Excellent. On attend 5 secondes. 4, 3, 2, 1. On relâche 10 secondes. Tranquillement, on relâche, on relâche, on relâche. Chaud. Alors, on enclenche avec un petit peu. D'accord. On met des petits sauts. On y va dans 2, 1. C'est parti. On rajoute un peu les petits sauts. Tranquille, pas d'être trop haut. Toujours, on n'oublie pas, on est sur l'échauffement. Bon, je finis gentiment. Ah, ok. Allez, on tient ça. Bien, bien. Excellent. Après, le premier Tabata, il vous faudra une fois la sauter. N'essayez pas de la sauter, partez vite aller la chercher. 3, 2, 1, tu vas lâcher. Donc, une dernière fois, tranquille, sans le saut, juste pour bien se. Bien se réveiller à fond, soyez prêts à 100%. Ok, c'est prêt à dire. On va dans 3, 2, 1, c'est parti. Excellent. Allez, on travaille là-dessus. On pousse, on pousse, on pousse. Allez, allez, 20 secondes encore. Excellent, excellent. Allez, on tient, on tient, on tient. Et on relâche dans. 5, 4, 3, 2, 1, tu relâches. Ok, passons aux choses sérieuses. Je vais faire la sauter avec vous et rien d'autre. Donc Tabata, je répète si vous avez oublié, c'est la musique qui vous donne le tempo. Donc on aura 8 séances de 20 secondes. Donc 20 secondes de travail, 10 secondes de pause, 20 secondes, et ça 8 fois. D'accord. On va travailler deux choses. Donc vu qu'on est sur un circuit training cardio aujourd'hui, sur chaque Tabata, on passera une fois la corde à sauter. D'accord. Donc vous aurez un travail et la corde à sauter, un travail, corde à sauter, etc., etc. sur les 4 tabata qu'on va faire aujourd'hui, d'accord. Donc premier tabata, il faut la corde à sauter, d'accord. Et le deuxième exercice, donc on va faire 20 secondes de corde à sauter, 10 secondes de pause, l'exercice va être squat sauter. D'accord. Donc on vient d'en faire, les jambes sont bien chaudes, on est au taquet, on avance là-dessus. Donc 20 secondes de corde, 10 secondes de pause, 20 secondes de squat sauter, d'accord. Si les squats sautés c'est trop difficile, faites des squats normaux, d'accord. Et si les squats sautés c'est trop facile, on met 280, d'accord. Ça, libre à vous pour les premières sessions, d'accord. On se met en place, on commence tous par la corde à sauter. Tac, 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 tac. Et on est prêt pour le premier Tabata, on se met en jambe. Si vous n'avez pas de corde à sauter, rappelez, faites-le, d'accord. Semblant. On est prêt, on se prépare. 2, 1, parti, go. Premier, 20 secondes. Allez, on pousse un petit peu, on a bien chauffé. Maintenant on jump. Allez, go, go, go. Bien, 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 bien. Allez, 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 allez. On tient ça, on tient ça. Ok, 3, 2, 1, stop. On s'accorde, on peut faire pour les squats. Donc je rappelle, niveau 1, squat basique, niveau 2, squat sauté, niveau 3, squat 180. Ok, ce que vous voulez. Go. Allez, 20 secondes. Allez, allez, on tient ça, on tient ça. Je rappelle, dans le squat, on plie bien les genoux, c'est bien les fesses qui descendent. On ne vient pas partir avec le ventre en avant. Allez, 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 allez. On tient ça, on tient ça, on tient ça. Top, on reprend la corde à sauter. On est au deuxième niveau. D'accord, on a 4 à faire. Deuxième niveau. Vous êtes prêts? 3, 2, 1, c'est parti. 20 secondes de corde. Allez, allez. D'accord, ça vraiment y aller, on envoie un maximum, maximum. Hein. Allez, on tient ça, on tient ça. Pause, on reprend les squats. On reprend les squats. Ah, génial, elle est prête.
Allez, marché. Allez. Tac. Tac. Je rappelle 108 ans, tournez bien, d'accord. Vraiment tout. Faites la demi-rotation pour que vous arriviez vraiment en position. Hein. D'accord. Vous sautez quand même bien en haut. Je rappelle, si vous ne voulez pas faire tranquillement, vous faites les squats passifs. Allez, à 5. Stop. On reprend la corde à sauter, on passe au niveau 3. Niveau 3.
Ça fait pas rien, d'accord. Pas mal de dynamisme. Hein. On va pas faire tranquillement. Et voilà, et on pousse. Allez, c'est une bonne. Allez, go. Bien. Excellent. Je veux bien avoir un espace aussi, on essaie de mettre des abdos. Allez, ça va couler un petit peu au niveau des épaules, c'est normal. On tient ça. Yes. Allez. Stop. On va prendre la place au pied, niveau 3. Excellent. Allez. On tire un peu. On commence. Allez, vous êtes prêts? On est parti. Allez, go. On pousse. Allez, Joël, je prends toi là. Lâche pas Joël. Je sais que tu vas bien aimer cette petite session cardio. Allez. Stop. On passe le tirage genou. Excellent. Allez. Un jeu d'enfant maintenant. Le nombre de fois qu'on l'a fait. Hein. Allez, go. Bien. On va regarder de la musique. Bien. Pousse. Allez, pousse. Stop. Ok, dernier niveau. Quand on a sauté une fois, tirez à genoux une fois et vous êtes en pause pendant 8 minutes 30. Allez, plus d'excuses, on pousse, allez, go. C'est le dernier. Bien. On va finir le deuxième tabata et on en a 4 à faire. Bien, excellent. Pousse. Allez, debout. Stop. Dernier tirage genou. Allez, tu pousses. Allez, go. Je vois Joël, hein. Pousse, plus vite. Allez, go. Allez, vous avez 1 minute 30 de pause. Allez, vous allez temps de récupérer. On pousse. Excellent, encore. Allez. Ok, ça. Tu es en pause. Allez, on récupère. Buvez un coup, récupérez tranquillement. Tranquille. 1 minute 30 de pause et on enchaîne après encore 2 tabata. Allez. Peut-être un peu. Chaud. Allez, on récupère et après on a 2 tabata à faire. Je prépare les couches tabata. Vous avez 1 minute 30 de pause. Bien, alors, ça roule cette histoire, hein? Bien. Il vous reste 40 secondes de pause, 40 secondes de récupération. Ensuite, vous pouvez préparer une corde à sauter, comme d'habitude, et puis un tapis parce qu'on va travailler les abdos. Donc, on aura corde à sauter et on aura du crunch. D'accord ? Crunch basique, jambes au sol, juste le buste. 30 secondes, et on enchaîne 2 tabata. Pour les crunchs, on fait attention à ne pas faire tirer sur la nuque. Donc, il y a bien monté le buste, finalement, je soulève. Sur pareil, 20 cm, c'est largement assez. Ok, vous pouvez prendre place, vous pouvez reprendre votre corde à sauter. On va enchaîner maintenant 2 tabata avec de nouveau 30 secondes de pause entre le premier et le deuxième tabata. D'accord ? C'est les 2 derniers tabata avant de passer à la suite. Ok, alors, tout le monde s'est corde à sauter, tout le monde est prêt. On va mettre sa nouvelle musique et on est parti. Attention, on se remet en place, donc toujours pas à sauter, ensuite au sol et on va faire une crunch. 5 secondes. 3, 2, 1. C'est parti, go. Allez, on reprend la corde. Allez, on pousse de nouveau la corde. On pousse. Allez, cardio. Bien. Yes. Pousse. Allez. Bien, on fait un petit pause. 3, 2, 1. Tu poses. Tapis. Tac.
au sol, pied au sol ou pied en l'air, c'est comme vous voulez, d'accord? Peu importe. Moi, ce que je veux, c'est vraiment le buste qui monte ici, d'accord? C'est pas la nuque qui vient chercher ici. On va pas faire menton ou nombril, d'accord? Mais vraiment le buste qui vient chercher en haut. Voilà, juste. Ok? Allez, on pousse. Et on met des répétitions. Ça vient nous brûler un petit bidon, là. Petit bidon, là. Allez, allez, allez. 3, 2, 1, stop. Ok. Lève ta pile, on prend la corde à sauter, on est prêt? On est à 5 secondes. 3, 2, 1, stop! Allez, on va sauter au max, au max, au max. Allez. Pour brûler un peu les petites extraits de la semaine. L'apéro, les restaurants. Hein. Allez, go, 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 on tient, on tient, on tient, on tient. Bateau au bout. Excellent. On prend ton tapis. Ça remet en position d'abdos. C'est possible de le faire aussi comme ça, d'accord? Donc on garde les jambes en l'air avec 90 degrés. On ne va pas les croiser, on les garde vraiment ici. Et je trouve le même principe où c'est vraiment le buste qui vient chercher. Hein. Allez, on pousse, on pousse, on pousse. On voit que c'est la vitesse là? Voilà, allez, 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 allez. Ça vient vraiment brûler, 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 brûler. Allez, go, 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 go. Et tu vois là, tu reprends la corde à sauter. Allez. Bien. On met en place, pas sauter. 3, 2, 1, go! Sorti! Excellent, excellent. Yes, yes. Très bien, très bien. Voilà, ça vite, vite. Yes, 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 on tient, on tient pas beaucoup. Allez, allez. Et tu relâches. Et tu remets le tapis. Assistant, va vite. Entendu ou bien j'en vais dans les allez, parfait. Allez, répétition. Tu vas chercher, tu vas chercher. Allez. Tu peux mettre sans doute de la vitesse, d'accord, mais tu vas venir voir un tirage au niveau de la nuque. Mais on peut mettre de la vitesse sans doute. Allez, go. Go. Allez, on tient ça, on tient ça, on tient ça. Allez, je bouge, je bouge, je bouge, je bouge. Et tu relâches. Et on part au dernier tour. On fait une fois la corde, une fois les abdos et on passe au Tabata. Suivant. 3, 2, 1, go! Allez! Yes, 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 yes! Allez, du tour, 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 yes, 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 yes! Yep, yep, yep! 3, 2, 1, stop! Ok! Par au dernier abdo, d'accord? Après, on fera le dernier tabata, je vous l'expliquerai en pause. Go, on est parti. Allez, go. Bien, parfait. Parfait la position. C'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Allez, tu continues, on arrive au bout. Allez, 8 secondes, 8 secondes, c'est bien, c'est bien. Excellent. Tiens ça, tiens ça. Ok, on va lâcher 30 secondes. On met en place le dernier tabata, donc il vous faut juste une corde à sauter. Le tapis vous pouvez l'enlever, on n'a rien besoin d'autre, d'accord? On va faire en fait corde à sauter. Et le deuxième, c'est main droite, d'accord? Par rapport à une perpendiculaire, vous tapez vraiment vos genoux au niveau des mains. D'accord? Fait, tac. Ok? On va bien monter les genoux. Ce n'est pas les mains qui descendent sur les genoux. Les mains sont statiques, d'accord? C'est vraiment vos genoux qui viennent toucher. D'accord? Le principe, c'est on va, on file, on file, on file, on file, on file. Ok, on se met en place. On part pour le dernier tabata. On commence par la corde à sauter. Ensuite, on va venir monter les genoux. Ok, vous êtes prêts? C'est parti, dernier tabata. 8 séances. Allez, après, bien plus qu'avant. Tu auras une petite pause de 1 minute 30. Donc, vas-y, balance à fond, balance à fond. Allez, go, go. Yes, tu pousses, tu pousses, tu pousses, tu pousses, tu pousses, tu pousses. Allez, 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 allez. Ok, main pied droite, d'accord? Et tu viens vraiment venir chercher les levées de genoux. Et je veux que ton dos là, il reste droit. Tu viens pas tricher avec le dos, d'accord? Et bon, monte, monte, prends les genoux, prends les genoux, prends les genoux. Allez, go! Et on va vite, on pousse, on pousse, on pousse, on pousse, on pousse. Yes, 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 yes. Allez, allez, allez. Bien ça, bien ça, bien ça. Encore, encore, encore. Excellent, excellent. Allez, monte les genoux, monte les genoux, monte les genoux. Allez, go, go! Yes, yes. Yes, on reprend la corde.
Traction. Go. Allez, tu prends la partie. Tu pousses, tu pousses, tu pousses. Tiens ça, tiens ça, tiens ça. Encore un petit peu. Il reste pas long, il reste pas long. Stop. Tire à genoux. D'accord. Il y a bien rien monté, hein. Bon, allez, c'est du pas, tu pars. Genou maximum de répétition. Main sur le genou, maximum de répétition. Allez, allez. Yes, yes. Très bien, très bien. Encore. Après ça, j'ai la moitié. Allez, pas vite, c'est bientôt fini. Stop. Troisième niveau. Allez, Jimmy. Allez, on tient bon. Voilà, Sophie, t'es prête? Go, allez. J'appelle, après t'as 1 minute 30 de pause, donc on envoie, on envoie. Yes, 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 c'est bien ça, c'est bien ça. Encore, encore. Yes, yes, allez, on tient ça, on tient bon. Alors Marc, il m'a dit qu'il ne devait pas essayer au les jours. Ah, tu peux le faire plus, les jours. Non, la semaine prochaine. Il fallait monter un peu plus haut. Hein. Faire, go, troisième, allez, go, monte. Tu peux le faire, allez, go, go. Yes. Allez, go. Yes. Ça, ça va déranger les voisins, Julie aussi, un petit peu, ça. Hein. Pas grave. Ah, pardonnez, je suis sûr. Stop. Dernier niveau. Bon, une fois la corde, une fois tirer à genoux. Ready? Go. Allez, dernier niveau. Une fois la corde, une fois le lever de genoux. Bien. Encore. Allez, pousse. Bien ça. Aïe. Stop. Fais une fois un genou. Après une pause 1 minute 30 et on passe à la suite. Maintenant, on va pas fini. Hein. Allez. Go. Allez, go. Bien. Tu fais un max. Pas plus vite. Allez, go. Bien. Je te l'ai préparé. Après ça, il y a la maison, tac, tu es sûr. Pause. Tu as 1 minute 30 de pause. Allez, on récupère tranquillement. 1 minute 30 de pause. Et on passe à la suite. C'est un signe, j'ai un chignon. Ça y va ? C'est un signe, j'ai un chignon. Ah, il y a beau chignon. Moi aussi, j'ai un chignon aujourd'hui. Ok. Alors, j'explique bien ce qu'on va faire maintenant. C'est tout simple, on va revoir tout ce qu'on a vu aujourd'hui. D'accord ? Donc, ça veut dire les squats, ça veut dire la corde à sauter, ça veut dire les levées de genoux, ça veut dire le nouveau de la corde, ça veut dire pour finir le tirage de genoux. Donc, on va faire un menu de tout ce qu'on a vu, mais en forme de circuit cette fois-ci. D'accord ? Donc, on aura squat, corde à sauter, tirage de genoux, corde à sauter, levée de genoux. D'accord ? On va travailler ça sur des périodes de 30 secondes. 30 secondes d'effort, 10 secondes de pause, on passe au suivant. 30 secondes d'effort, 10 secondes de pause. Imaginez ça, on va faire 2 fois 2 tours. D'accord ? Ça sera le dernier gros travail d'aujourd'hui. Et on s'en finira par les abdos. Pas du galage pour la fin. Donc si vous faut là, c'est juste un tapis si vous voulez faire le tapis. Pour donc, tout ce qui est galage, tout ce qui est pardon, tirage genou. C'est vous qui voyez. Il n'y a pas les crunchs, pas dans ta vie. Non, les crunchs, ils seront après qu'on les fera finir la série. Donc je répète, on va commencer par squat sauter. On reprend la corde à sauter. Ensuite, on se met main par terre et on fait tirer un genou. D'accord ? Ensuite, on reprend la corde à sauter. On finit par lever le genou. Exactement. Ok ? Ça fait 1 minute 30, je vous laisse remettre en place. Je vais reprendre DJ Valou et prendre la platine. Alors, tac. Ok. Alors, on est prêt? Alors, si on est prêt, on va y aller. Donc, j'appelle 30 secondes de travail, 10
jours de pause, on commence tous par les squats. Et bien sûr, tout le monde fait squat sauté au minimum. Hein. Le 180, je vous laisse en option, mais personne ne fait les petits squats. D'accord ? Alors, plein dans l'entraînement, donc on est tous à 100%, donc tout le monde commence squat sauté. D'accord ? Allez, t'es prête ? 3, 2, 1, c'est parti. 30 secondes de squat sauté. Ça va piquer un petit peu. On revoit le tout. Allez, go. C'est bien, on pousse. On atterrit au sol, d'accord, surtout pour Julie. Hein. Pas de bruit pour les voisins, pas de bruit. D'accord, vous êtes bien pieds les genoux, vous êtes des gazelles. Allez, go. Bien, bien. 10 secondes qui restent. Par contre, on garde la rapidité. Hein. On garde la rapidité. C'est bon, 3 secondes, 2, 1, on fait plus à 10 secondes. Voilà, on va la sauter. Prêt, Julie ? On y va donc. 3, 2, 1, c'est parti. 30 secondes. Et tu pousses, et tu pousses. Allez, quand tu descends jusqu'à avant, on pousse un maximum. Hein. Bien ça. On a la moitié. Allez, on revoit tout ce qu'on a fait aujourd'hui. C'est juste pour être sûr si tu as bien intégré tout ce qu'on a fait. Bien, bien, on finit dans 3, 2, 1, tu peux poser la corde, la seconde de pause. Main au sol, position de pompe, tu vas faire les tirs à genoux. Ça coule. Allez, t'es prêt? 2, 1, c'est parti. Et tu tires, tu tires. Je te rappelle, dos bien droit, appuie sur les épaules, d'accord? On ne compte pas les fesses au ciel, on va vraiment vite avec les genoux. On tire ses genoux au maximum. Allez, ça pousse, ça pousse, ça pousse, ça pousse. D'accord, 15 secondes, 15 secondes. Bien, ça, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Yes, tiens, ça porte 5 secondes. 4, 3, 2, 1. Tu vas aller à 10 secondes. Tu vas prendre la corde à sauter. Ready? 3, 2, 1. On passe. Allez, corde à fond. À bloc, pousse, pousse en max, pousse en max. Allez, pas possible, d'accord. Marc, il est. Imagine qu'il va manger un temps au soleil. Il a un peu la capacité. Allez, 15 secondes. Bien, c'est bien, ça, c'est bien. Oula, bien joué, bien joué. Il reste 10 secondes. 10 secondes à tenir. Yes, 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 yes. Allez, client 3, 2, 1. Tu poses la corde. Main, pied parallèle, et tu vas bien faire. Je nous main. Ok? On y va dans 3, 2, 1, c'est parti. Bien haut, bien haut. Comme pour Marc, bien haut. Parfait. Marc, c'est travail avec des confines. Allez, c'est bien, c'est bien. Marc, qu'est-ce que tu penses de cela, Marc? Faut bien faire? Allez, go, 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 go. 10 secondes. Pousse, 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 pousse. Allez, allez. Allez Joël, allez Julie, on pousse encore. Hein. 5 secondes, 4, 3, 2, 1, stop. Deuxième tour, illico presto, on reprend les squats. On reprend les squats. D'accord ? T'es prête ? Lâche-toi. Alors 5, 4, 3, 2, 1, c'est parti, deuxième tour. Bien, ça c'est bien. Bien. Yes. Yes. 3 minutes, il y a une pause. Allez, go. Pour l'instant, on job en max. Allez, go. Yes, yes, yes. Si vraiment t'es cuit au niveau des jambes, je te laisse faire maintenant des squats. Vas-y, on sent le saut. Allez. Dans 5 secondes. 4, 3, 2, 1, tu poses ça. Tu reprends la corde à sauter. On y va dans 3, 2, 1, c'est parti. Rapide, rapide, rapide. Maintenant on pose la corde et on va faire le tirage genou. Hein. Bien ça. Allez, allez, allez. Yes, 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 yes. Allez, on pousse, on pousse, on pousse. Moins de 10 secondes à tenir. 5, 4, 3, 2, 1. Tu relâches. 10 secondes de pause. Tirage genou. Ok,
Ok, on y va dans 3, 2, 1, c'est parti. Yes, 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 yes. Allez, go, go. Bien, parfait, 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 parfait. Allez, moins 20 secondes. Moitié, allez, pousse, pousse, pousse. Allez, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Lâche pas, lâche pas, lâche pas, lâche pas. 10 secondes, 10 secondes, 10 secondes. Allez, allez, allez. Usain Virgil. Allez, go, on finit dans 3, 2, 1. Tu reprends la corde à sauter. Allez, une fois la corde, une fois les genoux, on en pose. On y va dans 3, 2, 1. C'est parti. Allez, c'est bien, c'est bien. Allez, bombe-le, bombe-le. Allez, pousse, 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 pousse. Yes, yes. Bien, ça c'est bien ça. Allez. Excellent. 15 secondes. Allez, après on la finit avec le circuit canning et on passe aux abdos. Allez, go, 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 go. Sur 5 secondes. 4, 3, 2, 1. Tu poses la corde. Vous pouvez dire au revoir à la corde, sauter, vous ne la verrez plus. Et on termine par lever le genou. D'accord. Et on y va dans 3, 2, 1. C'est parti. Allez, go, 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 go. Tire, 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 c'est la dernière, c'est la dernière, c'est la dernière. Allez, allez, allez. Bien ça, bien ça, bien ça. Encore, encore, encore. 20 secondes. Allez, il nous reste 20 secondes à tenir. Je suis avec toi, je suis avec toi. Je sens la difficulté. Allez, go, go, go. 10 secondes à tenir, il a terminé. Encore un peu, encore un peu. 5 secondes. 4, 3, 2, 1. Tu relâches tout et tu en poses. 1 minute 30 de pause. 1 minute 30 de pause. On récupère rapidement. C'est l'heure de la pièce 7. On ne peut pas faire l'entraînement sur la pièce 7. Donc, on l'a terminé, ok. On va faire le jeu de la pièce 7. Si je gagne, je vais gagner, je vais pas plus d'autres fois. Si je gagne, vous aurez 2 fois 40 secondes de corde à sauter à faire. D'accord. Si je perds, on fera nos abdos et nos bras. D'accord. Plus ou face. Qu'est-ce que tu choisis? Face. Face. Donc si ça tombe sur face, on passe aux abdos, on l'a terminé. Si ça tombe sur pile, 2 fois 40 secondes de corde. Ok. Prêt. Face. Toujours ferme. Ok, donc prenez tous vos tapis. Pas de corde à sauter pour aujourd'hui. On prend ton tapis, on termine. On termine tranquillement. Gainage abdos. Non, tiens, un jour je vais pouvoir réussir à gagner ce petit jeu. Ok, c'est peut-être un signe, je ne sais pas. Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va revoir le gainage et on va revoir un peu les crunchs. On va faire un petit circuit tranquillement de 3 à 5 minutes pour terminer la séance tranquillement. D'accord. Donc, ce qu'on va commencer, c'est qu'on va faire gainage, d'accord, normal. Ensuite, gainage dynamique, vous faites ce que vous voulez. Hein. Donc, gainage normal. Ensuite, gainage dynamique, donc les mains et les pieds comme vous voulez. On va se retourner, on va faire 2 fois 20 pour crunch, on va faire ça 3 fois. D'accord. Ça t'a la chose qu'on va faire aujourd'hui. Donc, mets-toi en position de gainage, Virginie. Donc, je répète. Les premières 30 secondes, c'est gainage normal. Attends. Clic, 30 secondes de gainage normal, en faisant enchaîne 30 secondes de gainage dynamique, et ensuite on va enchaîner 2 fois 30 secondes d'abdos. Ok, prête? 3, 2, 1, c'est parti. Allez, tranquille, on laisse une fin. Bien ça, c'est bien ça. Encore 15 secondes. Yes. Allez. Pendant ce retour au calme, d'accord, donc on relâche un petit peu, on descend un petit peu les rythmes cardiaques. Donc 3, 2, 1, cochon. Direct tout avec l'énergie dynamique. Hein. 30 secondes. Clavier, Virginie, elle bouge les jambes. Tu peux bouger les jambes, tu peux bouger les bras, tu peux faire comme on l'a fait avant, bras droite, bras gauche, jambe droite, jambe gauche, ce que tu veux. Mais je veux que tu sois dynamique. On tient dynamique, d'accord. Je répète, on tient les tranquille. Le bassin est bien stable, on ne va pas commencer à bouger dans tous les sens. Tranquille.
reste 10 secondes. Allez, on tient ça, on tient ça. La fatigue, t'as mal compris.
5 secondes. 2, 1, pause. Voilà. On se tourne. Abdos. Allez, 2 fois 20 secondes et tu auras terminé ton film. 4, 3, 2, 1, c'est parti. Donc après, une dernière fois et après, on peut recaler ton pied droit sur le dos. On a plus que la petite minute et on aura terminé pour aujourd'hui. 5 ans plus de voilà. C'est la pièce du sac. 3, 2, 1, tu vois là, tu sors. Dernière fois les 20 secondes. Allez. Prête à venir ? Ouais. 3, 2, 1, c'est parti. Allez, go. Bien ça. Allez, c'est derrière, c'est derrière, c'est derrière. 15 secondes qui restent. 10 secondes. Allez, on tire, on tire, on tire, on tire, on tire, on tire. 5, 4, 3, 3, 3, 3, 2, 2, 1. Et tu relâches tranquillement. Et on retourne au calme, tranquille, basique, on relâche tout. Excellent. Facile. Je l'entends. Yes, allez, 3 minutes, 1 minute tranquille. On relâche tout, on relâche les jambes tranquillement. On a le service cardio aujourd'hui. Vous avez aussi pris un peu. Commentaire. Pour aujourd'hui. Donc la semaine prochaine sera déjà la dernière fois, d'accord, si mes infos sont justes, exactement, c'est la dernière fois pour le prochain. Donc on va essayer de faire un truc un peu stylé pour le dernier, d'accord. On va mélanger un peu tout, on va faire une bonne heure, je pense, à fond, d'accord. On va prendre 2-3 petits copains, hein. On va trouver 3 petites personnes pour finir l'entraînement comme il faut, faire la dernière ensemble. Donc reposez-vous bien, passez un bon week-end et on se voit vendredi prochain en forme. Ciao. Ciao.